on a déjà un résultat à vous donner, puisqu'on en parle depuis le début de cette soirée. C'est la défaite de la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin, dans la deuxième circonscription de Guadeloupe. Christelle Théophile, pour Guadeloupe la Première, vous êtes avec nous sur place pour commenter justement ce résultat. Donc Justine Bénin, qui est donc battue par Christian Baptiste. Christelle Théophile, votre explication, votre analyse sur place. Après être arrivée en tête au premier tour, la secrétaire d'État à la mer est finalement battue. Aujourd'hui, elle ne recueille et devrait donc quitter le gouvernement. Elle ne recueille que 41,4% des voix contre son adversaire Christian Baptiste, 58,7% des voix. Candidat d'hiver gauche soutenu par la NUP. Ce dernier avait bénéficié des reports de voix du candidat de la France Insoumise qui avait appelé à voter pour lui à l'issue de premier tour. Report de voix également du candidat du Rassemblement National. La députée sortante n'a pas su convaincre un électorat qui avait clairement désavoué Emmanuel Macron lors de la présidentielle d'avril dernier. Et puis, notez enfin que sur les 4 députés élus aujourd'hui en Guadeloupe, 3 ont été soutenus par l'Alliance de gauche, la NUP, à l'issue d'un scrutin marqué une nouvelle fois par l'abstention.